Tous les sous-bocs ont une histoire. Celui-ci en a une particulière. Un jus de fruits, s'il vous plaît. Jus de pomme, jus de mangue, jus d'abricot. L'abricot sera très bien. Et voilà. Merci. Excusez-moi, mademoiselle. Inspecteur Ulysse Saladin, police judiciaire. Est-ce que mademoiselle Lucie Dumont travaille ici? Oui. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Lucie Dumont est décédée cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé son corps pas très loin d'ici. Elle a été percutée par une voiture. Pour l'instant, nous n'avons aucun témoignage, donc je voulais savoir si vous, de votre côté, vous aviez vu ou entendu quelque chose cette nuit vers 1h du matin. Non. Hier soir, j'ai fini tôt. Je suis rentrée tout de suite chez moi. Bien sûr. Excusez-moi. Oui, allô? Saladin, on a trouvé une voiture rue de Branson, elle porte des traces de choc. Alors on lance l'analyse de l'ADN pour le rapprocher avec... Le propriétaire est un certain Frank Lang, habitant 3 avenue du Maine. Et visiblement, il a déclaré le vol de la voiture juste avant l'accident. Très bien, je m'en occupe. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. Monsieur Lung! Ouais? Bonjour monsieur, inspecteur Saladin, police judiciaire. Monsieur Lung, est-ce que vous êtes bien le propriétaire de la Clio grise immatriculée 12ZM208? Ouais, c'est moi. Pourquoi vous l'avez retrouvée? Ouais. Elle a été retrouvée porte de Branson. Et elle porte des impacts qui pourraient potentiellement être liés à un accident mortel survenu cette nuit dans Paris. Qu'est-ce que vous faisiez entre minuit et 2h du matin cette nuit, monsieur Lung? J'étais ici, chez moi, pourquoi? Et vous avez quelqu'un qui pourrait confirmer votre alibi? J'étais avec ma copine. On a porté plainte pour le vol de la voiture. Et elle a passé la nuit ici. Vous pouvez me transmettre ses coordonnées, monsieur Lung? Bien sûr. Caroline Martial. Elle travaille dans un bar, rue du Jour. Bien sûr. Eh bien, écoutez, je vous remercie, monsieur Lung, on va vérifier ça. Bonne journée. Bonne journée. C'est original comme marque-page, ça. Bon, alors dites-moi, vous m'avez pas dit que la voiture de votre ami avait été volée? Ben, c'est parce que vous ne me l'avez pas demandé. Et puis, c'est quoi le rapport avec la mort de Lucie? C'est-à-dire que la voiture de votre ami a été retrouvée cet après-midi avec des impacts qui semblent étroitement liés à la mort de votre collègue. Qu'est-ce que vous faisiez cette nuit? On a déposé plainte pour le vol de la voiture à 21h. Et puis après, on a passé la nuit à l'appartement. Ah, vous inquiétez pas. On va rapidement retrouver ce voleur. Mademoiselle? Très bon livre. Au revoir, mademoiselle. À bientôt. Et ce dénommé Frank Lang a été repéré en dealant de la drogue une bonne partie de la nuit. Il m'a dit qu'il était chez lui. On le prend en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Et on va voir ce qu'il a à dire exactement. Thank you.
Putain, vous voulez quoi encore, là? Je sors à peine de la garde à vue. Mais calmez-vous, monsieur Lung. C'est pas au sujet de la drogue, cette fois-ci. Je peux entrer, j'ai à vous parler, à vous et votre ami. Bien. Alors, je vais vous résumer l'état actuel de l'enquête. C'est bien votre voiture, monsieur Lung, qui a percuté Lucie Dumont. Lucie Dumont, qui était votre collègue de travail, mademoiselle Martial. À quoi, monsieur Lung? Vous avez l'air surpris. Vous saviez pas que c'était Lucie Dumont qui avait été tuée? Vous lui aviez pas dit, peut-être? Mais pourquoi je lui aurais dit? C'était ma collègue, pas la sienne. Je vous avoue qu'au début, j'ai été un peu perdu. Je manquais d'indices. Jusqu'à ce que je trouve ça dans vos affaires, mademoiselle Martial. Tu savais? Ben évidemment que je savais. Non mais je suis pas conne, Franck. Vous aviez une liaison avec Lucie Dumont, monsieur Lung. Mais c'est vous qui l'avez tuée. Vous avez pas de preuves? Bien sûr. Mis à part tous les témoins qui vous ont vu ranger la voiture et tout l'ADN qu'on a retrouvé sur la scène du crime. Elle méritait. Crois-moi ou pas, c'est la vérité, elle le méritait. Vous avez trouvé ce sous-boc et vous avez décidé de tuer Lucie Dumont. Tout avait été prémédité car vous avez même déclaré la voiture volée avant le crime pour vous créer un alibi. Oui. Et la dernière chose qu'elle a vue, c'était moi.